Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Ça va être malsain. On y va. Quand je vous dis que je vais vous parler d'amour, oui, c'est d'amour qu'il s'agit, mais pas que de ça. En tout cas, le roman dont je voudrais parler, c'est Le repos du guerrier de Christiane Rochefort. Ah ben, j'ai des ondes parce que j'ai une ampoule de plafonnier qui a cramé. C'est un roman de 58. Là, on est dans l'édition Grasset des Cahiers Rouges, collection Cahiers Rouges, beaucoup plus récente. Évidemment, il n'y a pas de traduction puisque c'est français, écrit en français. Je crois que c'est de 58. Je ne les ai pas tous lus, les Rochefort, hein, mais je vais finir par avoir une playlist parce que je suis partie pour tous les lire. Hein. Ça me tient vraiment, vraiment bien. La seule déception que j'ai, c'est que c'est pas dans celui-là qu'il y a le C'est bizarre l'écriture, mais ça doit être dans un autre Grasset. Je pense que c'est dans Printemps au parking que je n'ai donc pas sous la main, mais qui est quelque part par là. Je n'ai pas tout. Je n'ai pas du tout tout Rochefort, mais ça va venir. De toute façon, les bouquins. Donc ça, c'est de l'occasion. Gibert. Je l'ai payé 6,30 au lieu de 11,50. Ça fait que c'est moins cher. Je voulais le finir en Belgique, mais je l'ai oublié. Donc j'ai attaqué Flush de Virginia Woolf qui est là. Et merci Jeanne, c'est vraiment un très beau cadeau. Et ça me plaît énormément. J'ai profité de la Belgique pour faire un peu les bouquinistes. Et là, ça a été plutôt raisonnable. J'ai pas fait de friperie cette fois, je suis désolée. Je suis allée enfin chez Pêle-Mêle. C'est impressionnant. Hein. Je me suis pas trop retrouvée dans le rangement. Mais c'était pas mal. Ça m'a plu, mais mon bouquiniste préféré, ça reste celui qui est pas exactement sur le même coin, mais qui est sur la rue du Midi. Et qui est ouvert en plus tard le soir. En tout cas, je suis passée chez les deux. Je sais plus ce que j'ai acheté chez qui. Mais j'ai pris ces trois romans. On fait un petit unboxing rapidement. Alors, en fait, c'est facile, hein. Je regarde plusieurs rayons systématiquement. En ce moment, la science-fiction, mais pas uniquement. Je regarde tous les noms de femmes, je retiens les noms de femmes. Et après, je regarde derrière si j'ai envie de les lire ou pas. C'est le critère. Et après, il y a des noms que je repère parce que je cherche de la science-fiction féministe. C'est pas si facile. Donc, Connie Willis, qui m'avait été conseillée par le bouquiniste de Caen, du coin du Polar. Catherine Dufour, j'en ai déjà lu. J'en avais encore un peu en souffrance, mais lui, je voulais vraiment l'acheter, donc ça tombait bien de le trouver en poche. Alors, les bouquinistes belges sont moins chers, hein, 2,50, hein, ça serait plutôt 3,50 en France, au lieu de 6,95, 9. Et je suis très contente de celui-là parce que j'en avais pas dans cette collection. Anne McCaffrey, alors il y en a plein d'elles, mais les autres m'ont pas fait envie, mais lui, je l'ai vraiment pris parce que bah, ça commençait bien. Ça a l'air d'être un de ses premiers, c'est cette collection argentée d'Albin Michel, là, qui est assez ancienne, qui est années 70, je crois. Et qui a quelque chose d'un peu mythique, et j'en avais pas, et voilà, 2 euros. Donc, et je l'ai commencé, ça m'a pas mal plu en l'entamant. Non, c'est pas son premier. 82. Et chez Albin Michel, donc on n'est pas dans les années 70. Mais je sais pas de quand a commencé cette collection, Clément Humel nous le dira peut-être. Et le roman est de 67. On reste sur Christiane Rochefort, c'est pas de la SF, c'est pire. C'est pire. Ce qui est génial chez Rochefort, c'est qu'on a toujours l'impression de lire des romans, c'est absolument pas ça. T'as fait un peu ça, Dufour. Rochefort est encore plus grinçante. Alors on reste dans ce qu'on appelle la littérature générale, ou... Enfin, c'est très réaliste, quoi. On est dans un monde réaliste. Comme dans L'Estance à Sophie, l'autrice, enfin la narratrice, on a une narratrice à la première personne, ou dans Les Petits-enfants du siècle. On pourrait avoir l'impression qu'il y a une histoire qui commencerait avec les petits enfants du siècle et qui se poursuivrait avec le repos du guerrier. Ça marche pas. J'ai pas encore vu le film. Donc je ne pourrais pas dire un mot sur l'adaptation, mais je vais le voir assez vite avec Bardot. Moi, je n'aurais pas adapté ça. Hein. Très dur à adapter à mon avis. On va peut-être en parler aussi. Je sais pas du tout où je vais, hein, mais je viens tout juste de le finir. Et déjà que le roman est malsain et choquant, la fin est pire. On peut avoir l'impression que c'est avant L'Estance à Sophie, mais bon, ça colle pas, il n'y a pas de continuité entre les personnages. Enfin, c'est pas Balzac, hein, on n'a pas la grande fresque. Mais bon, ben, on a quand même quelque chose de l'ordre de enfance-adolescence, entrée dans une vie de jeune femme. C'est plutôt les petits-enfants du siècle qui est avant L'Estance à Sophie, en fait. Oui, mais d'ailleurs, je l'avais dit dans Les petits-enfants du siècle. Bon, là, on va suivre une jeune femme, Geneviève. Je vais lire au début, faire des commentaires, et il y a des coins que j'ai envie de piocher. Et peut-être bien la fin. J'ai lu la préface, je sais plus ce que j'en pense. Laissez-moi souffrir si vous voulez, en épigraphe, mais laissez-moi éveiller du sommeil. Alors là, on a souffrance et sommeil, et là, on a repos et guerrier. On sent que ça va pas le faire, mais
On ne sait pas encore. Alors, le repos du guerrier, c'est une expression un peu consacrée. Je ne sais plus quelle est sa source originelle. Et en plus, je l'ai su, je l'ai appris il y a juste quelques jours. Je crois que c'est du Nietzsche, que la femme est le repos du guerrier, un truc comme ça. Ça, c'est le même procédé que dans l'Estance à Sophie, prendre un truc ultra misogyne et le revendiquer ou. C'est pas exactement la version du stigmate. C'est pas comme faire une slutwalk, une marche des salopes, ou se revendiquer, je cite, pédale ou folle. C'est plutôt, dans le cas de Rochefort, on va bien avoir une reprise, mais on n'a pas la revendication identitaire. On a plutôt quelque chose qui va, un peu comme chez Beckett, venir forer, venir miner le langage. C'est-à-dire, en fait, les personnages s'approprient ces appellations. Ou la chanson qui va servir de leitmotiv plus au niveau de la narration, qui va avoir comme ça des rappels, quoi. Mais avec beaucoup plus d'ironie que de fierté. Et avec quelque chose d'assez désabusé. On continue. Alors, et donc le repos du guerrier, le prendre en lui-même, bon, ben, c'est quand même pas. S'il y a le repos du guerrier, il y a peut-être une guerre, enfin, c'est un titre thématique, mais qui va rester assez mystérieux, première partie. Eh bien voilà, c'est fait, j'ai fait ce que j'ai voulu. Le terrain est déblayé, nu, complètement nu. Et m'appartient. Une victoire si totale et si chèrement acquise me laisse incertaine soudain. M'effraie. Les ponts sont coupés derrière moi, il faut avancer. J'ai fait le vide sous mes pas, où marcherai-je? Au seuil du bonheur, si mérité soit-il, si cher qu'on l'ait payé, le cœur hésite. J'ai peur de mes regrets et de mes complaisances. Vais-je me changer en statue de sel? Ce n'est pas bon de se retourner sur des ruines. On ne sait plus où on va. Mais non. L'angoisse est liée à mon état et j'en serai ensemble délivré. Ce malaise de l'âme est normal, on me l'a dit. Ce sont les glandes. Il faut brûler ce passé une bonne fois, comme de vieilles lettres, et qu'on n'y pense plus. Il faut que je quitte Renaud, puisqu'au bien lui-même s'est quitté. Et continuer dans le même sens. Et vivre avec ce que j'ai voulu. Et on va changer de paragraphe, on a même un seul livre. Alors là, je commence à spoiler. J'avais absolument pas compris ce paragraphe. Donc en première lecture, quand on lit ça, on voit un lien et on se rappelle que comme l'épigraphe appelle un geste, enfin est un geste muet, qui va appeler une connexion de la part du lecteur, je vous cite Genette, hein. C'est le Genette de Seuil. Le titre aussi appelle à faire un lien. Et le lien, ben, entre le repos du guerrier et ce paragraphe, il paraît évident. On a l'impression de lire une espèce de description d'Attila, avec encore cette mention d'une statue de sel qui peut passer inaperçue, un peu comme un cliché que l'on convoque, et qui va revenir sous la forme du mythe d'Eurydice, qui est régulièrement donc sollicité dans le roman. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. On comprend qu'il y a Renaud, mais on ne sait pas qui est Renaud. Et on a cette espèce de familiarité, et ben voilà, avec des phrases très courtes, très syncopées, une forme de bilan, mais comme on commence le bouquin, on ne sait pas de quoi il s'agit de faire le bilan. Et en continuant encore un peu, ce terrain nu, déblayé, oui, on peut penser vraiment à quelque chose de guerrier, d'Attila, les ponts sont coupés, il faut avancer, j'ai fait le vide. Et il faut que je quitte Renaud, puisque lui-même s'est quitté, et continuer dans le même sens et vivre avec ce que j'ai voulu. Et ce que j'ai voulu, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, on passe en phase spoiler, deuxième lecture, à la fin du bouquin. Là, on sait ce que c'est, parce qu'en fait, avoir ce paragraphe au début du roman permet de comprendre que l'ensemble du roman est une vaste analepse totale, c'est-à-dire qu'il va arriver justement à la situation d'énonciation où se situe ce paragraphe. Mais on ne comprend pas à ce moment-là. Donc en fait, le roman va faire une boucle. Là, on est au présent. Et on va passer. Et on le voit. C'est fait. J'ai fait. Me laisse. Et on va passer à une affaire de succession à mener dans cette ville. Mais on est quand même dans un mystère assez complet qui se dissipe quand on connaît la fin du roman et que l'on apprend que, j'allais dire l'héroïne, la narratrice, Geneviève, est tombée enceinte de ce fameux Renaud. Donc ce que j'ai voulu va désigner. Peut-être le bébé, l'enfant, en tout cas l'état de grossesse. Mais on ne sait pas qui est Renaud, on ne sait pas comment Renaud a pu se quitter, on sait juste qu'il s'agit de quitter Renaud.
Et là, on va passer à la rencontre avec Renaud. Mais pas tout de suite. Alors, on va raconter cette rencontre. Parce que, attention, elle est quand même. Elle est pas simple, hein. Une affaire de succession m'a menée dans cette ville, où rien n'indiquait que ma vie n'allait jouer. Ça allait jouer. Personne ne m'attendait sur le quai pour m'en avertir, me conseiller de rebrousser chemin. Il était 11h50. Il pleuvait. Le train repartit sans heurts derrière mon dos, glissa sur les rails mouillés, n'ayant déposé en ce lieu que moi et des bicyclettes. Je frissonnais. J'aurais dû prendre un imperméable. À Paris, il faisait beau. On croit toujours qu'il fait le même temps partout. En automne, pourtant, on devrait se méfier. Alors, quelques passages, quelques remarques en passant. On est au passé, donc un parfait passé simple avec des alternances extrêmement classiques, hein, dans le récit. Une arrivée dans une ville dont le nom ne sera jamais indiqué, mais on comprend très vite qu'elle vient de Paris et donc qu'elle arrive dans cette ville. Évidemment, son isolement, mais on a aussi une espèce de reprise de topoï épique. Personne, mais par la négative, personne ne vient l'avertir. Il n'y a pas de messager. Et elle-même ne sait pas donc que sa vie va se jouer là. On peut noter l'heure, 11h50. Il n'est pas midi, il est juste avant. Je n'irai pas jusqu'à dire que midi, c'est l'inverse de l'heure du crime, minuit ou des choses comme ça. Si on veut y voir une symbolique, ce n'est pas impossible, mais ce serait peut-être forcé quand même, hein. Je crois. En tout cas, cette symbolique est possible, mais on peut noter, je sais pas, une contradiction entre le fait qu'il soit midi et qu'il pleuve. Alors, ça arrive qu'il pleuve à midi, mais on est loin du beau temps et on arrive sous la pluie, ce qui est quand même pas très bon signe. Et avec ce train donc qui repart. Sur le mur brillait une affiche bleue de la SNCF représentant un village méridional perché sur un éperon rocheux, Saint-Paul-de-Vence, son climat, ses orangers. Je me promis d'y aller au plus vite si ma nouvelle condition me le permettait. Et ça, on sait que oui, ça va être le cas. Alors oui, j'ai oublié de dire, c'est une affaire de succession, donc il y a eu un décès. Est-elle en deuil? On peut le supposer, en tout cas pour le moment, ce deuil ne se voit pas. Ce qu'on a en revanche ici, c'est sur cette question d'une nouvelle condition, c'est l'ouverture d'un possible. Rien. Probablement riche. Je relevais l'horaire du retour. Je n'allais pas traîner. Je réglerai tout en 24 heures et reprendrai demain le 18h27, très pratique, qui m'amenait à Paris à 21h02. J'écrirai à Pierre de venir me chercher à la gare. Tout était tracé. J'aime que tout soit tracé. Il était midi. Je débouchais sans surprise sur une vilaine place battue de vent. En face, de part et d'autre d'une avenue où des platanes achevaient de se dépouiller, se dressaient deux hôtels d'égale médiocrité, entre lesquels un instant je balançais. Hésitation fugace, dont l'importance alors m'échappa. J'optais pour la paix, à droite, contre la gare, qui le valait bien, mais me coûtait en plus la traversée d'une rue. Et, je l'ai dit, il pleuvait, et je n'avais pas d'imperméable. Au reste, ce fut sans y penser, ou presque. Bref, j'entrai à l'hôtel de la paix. Bon, le paysage est sinistre, la pluie n'était déjà pas aidante. En automne, pourtant, on devrait se méfier, nous parle du temps, mais avait des connotations bien plus ouvertes, hein, sur cette vie qui va changer, mais qui n'est pas appelée à changer, comme le monde, ses préparatifs du retour, très précis, avec les horaires, et cette annonce que tout était tracé, qui nous permet d'avoir quand même une idée d'une forme de psychorigidité, si on va aller loin, en tout cas de cette voie narrative, encore non déterminée. On voit l'apparition d'un Pierre, enfin, quelque chose, des signes se mettent en place, c'est un incipit évidemment. Avec une hésitation entre Hôtel P et la gare, on peut noter que la gare pourrait être justement un signal d'indication au niveau de l'homme domestique, hein, prends gare, bon, mais qui n'est pas pris, mais choisir la paix va très bien avec. Le projet d'une vie tout tracée, un certain confort, on va même dire bourgeois. On peut même aller jusqu'à dire que l'hôtel Rue de la Paix au Monopoly, il est quand même plutôt cher. Bref, ça va rester un peu oral, un peu dans la gouaille. Mais la gouaille, c'est pas forcément de la moquerie. C'est pas seulement de la moquerie, la gouaille chez Rochefort. Mais il y a quelque chose d'un peu narquois dans sa voix. Une chambre pour une personne ou deux personnes, dit le gros homme derrière sa banque, tapis derrière sa banque. Ne voyait-il pas que j'étais seule, avec un E, donc là on sait que c'est une femme. Je le lui confirmai. Avec un grand lit ou un petit lit? Cela m'est complètement égal, monsieur. Je vais vous donner le 7.
Il me tendit une fiche. Geneviève Leteil, étudiante, motif du voyage, affaire. Affaire. Donc là, ça permet de donner toutes les infos sur le personnage. Les yeux mi-clos, l'homme examina le document avec une attention qu'il ne méritait pas et me jeta un regard inutilement suspicieux. Déformation professionnelle. Au myopie, je montai, escorté d'un valet à l'hygiène douteuse. Le lavabo se vidait mal et l'eau chaude ne l'était pas. Je m'en accommodai. Je changeai de chemisier et descendis. Le logeur, levant le nez de son journal, me suivit des yeux, comme si ma conduite l'étonnait. Elle était pourtant bien banale. Il était près d'une heure et j'allais déjeuner avant de me rendre chez le notaire. Alors, on a son nom, donc Geneviève Leteil, sa profession. On savait qu'elle venait pour une succession, là, elle va aller chez le notaire et elle marque affaire sur cette fiche d'hôtel. Donc pour l'instant, tout était assez annoncé. On peut même remarquer, en fait, cette gouaille de Rochefort, elle va passer notamment par des raccourcis, notamment dans la rapidité du récit. Elle n'a pas eu le temps d'entrer dans la chambre, que le bilan n'est déjà fait, l'eau chaude ne l'était pas. Avec quelque chose qui est même de l'ordre de la syllepse, ironique et paradoxale. La syllepse, c'est quand on va lier à quelque chose d'abstrait et de concret. C'est-à-dire que l'eau chaude, c'est l'arrivée d'eau chaude, c'est-à-dire là où elle devrait être et ne l'était pas, c'est l'eau qui devrait couler réellement chaude. C'est température froide, donc. J'en sortis à 5 heures. J'étais propriétaire de deux immeubles en ville, d'une demeure à la périphérie et à la tête de rente, valeurs et liquides dont le total, tel l'addition des wagons de choux et des chevaux en long, m'était imprécis, mais semblait me promettre une existence confortable. Fonçant dans les rues, le sourcil froncé, je laissais libre cours aux rêveries que, jusque-là, par crainte d'une déception, je m'étais raisonnablement interdite. Avec les vieilles personnes, on a parfois des surprises. De mauvais placements, les dévaluations. Tant que Lucie avait apparemment évité ses écueils. Tant que Lucie apparemment avait évité ses écueils. C'est plus ironique, apparemment avait. J'eus une pensée reconnaissante pour cette parente que je n'avais vue depuis ma première communion et qui, recueillie par une mort tranquille dans un âge logique, n'avait, faute d'autre descendance, fait sa légataire. Qu'elle soit là-haut rassurée. J'avais, quant à ses biens qui venaient de mes choix, les intentions les plus pures. Il serait consacré à l'enfance malheureuse, comme j'en avais déjà longtemps formé le projet avec une amie. J'aimais les enfants d'autant plus que ma santé ne me permettrait peut-être jamais d'en avoir. Quant à Claude Amiot, sa nature l'a porté spontanément vers le bien. Dans un pur élan que j'admirais parfois, et parfois enviais, elle ne pensait qu'aux autres. Il m'arrivait de penser à moi, à mon bonheur, à ma propre vie. Néanmoins, ces voies différentes nous portaient avec une égale ferveur vers le même but, en vue duquel nous avions organisé nos études. Pour le reste, et en particulier pour la solution des problèmes matériels, nous espérions un peu dans la Providence. Sans doute avait-elle été touchée. Je devais à Claude laisser dans l'incertitude sur le quai d'une gare parisienne les rassurantes nouvelles. Je me mis en quête de la poste, d'où j'expédiais un télégramme faussement laconique. « Tout va bien, peut faire projet ». C'est en remettant ce télégramme que je réalisais vraiment ma situation, à tel point que, me souvenant qu'il pleuvait, je m'offris dans un magasin de la ville un imperméable que je ne mettrai jamais hors de ses murs, tant la coupe en était douteuse et la matière rustique. Ainsi paré, je me hâtai vers l'hôtel, où je n'avais aucune raison de retourner, sinon que je n'avais rien à faire d'autre, et ressentais confusément l'impression de n'avoir déjà perdu que trop de temps. Impression sans aucun fondement que j'attribue alors, car je raisonne au désir de faire le point. Je n'aime pas ne pas savoir où j'en suis, je marchais vite et franchis de nombreux ponts de fer brillant de pluie. Il n'était pas tout à fait 6 heures quand je passais le seuil de mon hôtel et l'homme me dédia en me tendant la clé, ce regard à la fois indiscret et étonné que finalement j'attribuais à la myopie. Je montais vite. La serrure fonctionnait mal, j'insistais, une clé tomba à l'intérieur, la porte s'ouvrit. Je vais faire quelques commentaires sur ça et après je vais un peu poursuivre. Donc là, le notaire est évidemment expédié, on n'a pas du tout cette séance, ça permet d'avoir une très grande rapidité, en avant, après, enfin. Et en même temps, quelque chose qui est, j'allais dire littéraire, en tout cas qui va être vraiment dans une parodie de style bourgeois, néanmoins en début de phrase, hein, par exemple. Bon, ça ressemble un peu à l'écriture d'une lettre de motivation bourgeoise, hein, l'ensemble de ce ton. Très clairement, et ça va un peu se défaire. On a déjà des rappels du paragraphe premier, qui est lui-même une annonce de la fin.
Cela avec, par exemple, les ponts franchis qui seront coupés, enfin, qui ont été coupés dans ce pont, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit. On a ce retour à l'hôtel. Aucune raison, mais pourtant il y va, qui met en place une tension dramatique. Tout ce projet d'une vie très bien menée, mais on peut noter dans ce projet l'annonce du fait de ne probablement pas pouvoir avoir d'enfant. Et en fait, voilà, ça sera faux. Qui amène cette jeune femme, cette étudiante, à ce projet dédié à l'enfance malheureuse et à cette envie de sa camarade Claude, c'est-à-dire cette envie de sa propre charité et de ses intentions. Alors elle, ses intentions sont pures, de ce qu'elle va faire de ses biens, mais elle envie Claude de sa capacité de dévouement, que donc elle n'a pas. Et ça va devenir ironique. Et là, on va passer à la rencontre. Je la refermai vivement. Je m'étais trompée. Je suis page 18. Le numéro me le confirma le 6. J'avais la 7 à côté. Je restais là, sans bouger. L'image, incroyablement nette, restait fixée dans mon esprit. Sur un grand lit, un homme dormait tout habillé, la bouche ouverte. Tout en lui, ses dimensions, son visage, étaient anormales. Des ronflements irréguliers sortaient de sa gorge. L'ensemble avait, dans le reste de jour, un aspect sinistre. Ce n'était pourtant rien qu'un homme qui dormait. J'aurais dû passer depuis longtemps, rentrer chez moi. Je ne passais pas. Mon cœur battait, comme s'il en savait plus que moi. Ce n'était comme un homme endormi, ivre-mort peut-être. Le mot sonna d'une manière inquiétante. Je n'y tins plus. Impulsivement, impulsivement, j'ouvris à nouveau. Et le premier objet que je vis fut en effet sur la table de nuit, le tube près du verre. Deux tubes même, aucune inscription. J'entendis enfin, comme il fallait, les ronflements. Des râles. Une grande main pendait hors du lit. Je la touchais. Froide. J'osais secouer. Pas de réaction. Il était horrible. Je dégringolais en courant l'escalier. Monsieur, je crois qu'il est arrivé un accident à un de vos clients. Le logeur leva du journal local un nez tranquille. Tiens, dit-il sans surprise, et lequel? Le 6. Tiens, dit-il encore, et toujours sans bouger. Et si je peux me permettre, comment le savez-vous? Je me suis trompé de chambre. Écoutez, monsieur, vous n'avez qu'à monter, ce n'est pas mon affaire. Il remua sa masse de quelques centimètres. Un accident? Je crois qu'il s'est empoisonné. Sa porte n'était pas fermée. Ma clé a ouvert. Écoutez. C'est curieux, dit-il en posant son journal et se levant enfin. Vous verrez bien, je l'ai laissé sur la porte. Je crains que ce ne soit urgent. Il passa devant moi et commença de gravir lourdement l'escalier. Sa notion d'urgence était différente de la mienne. Le 6? Répéta-t-il avec, naturellement, un arrêt, et en me présentant sa tête obtuse et vaguement malveillante. Le 6, oui, le 6, deux fois trois. J'avais laissé la porte ouverte. Je m'aperçus que j'avais suivi l'hôtelier. Il entra et secoua son client. Monsieur, et monsieur, monsieur, réveillez-vous. Cela m'étonnerait qu'il se réveille, dis-je en désignant les tubes. Ah, c'est malin, dit-il, si c'est ça. C'est malin, vous pouvez le dire, me jeta-t-il à moi comme si juste de ma main brossait le tableau. Il va falloir appeler la police. Monsieur! Monsieur ne s'en soucia pas. Il respirait maintenant sans bruit. En partant, l'hôtelier fit jouer ma clé. Ça ne marche pas si bien que ça. Mais ça marche! Heureusement d'ailleurs! Heureusement pour vous! Appuyai-je avec une lourdeur qui me paraissait nécessaire. Et où est l'autre clé? Écoutez, mais à quoi bon le pousser? Je n'étais pas un Hercule. Je l'ai entendu tomber, bougonnai-je, elle n'a pas dû se sauver. Il ouvrit encore, ramassa en effet la clé numéro 6, referma. L'homme, lui, était peut-être à une seconde près. Il avait laissé dedans, mais il ne l'avait pas mise en travers, constata mon logeur en descendant enfin l'escalier. Heureusement, car s'il l'avait mise en travers, je criai presque, je n'aurais pas pu ouvrir, j'aurais vu que je me trompais, je serais rentré chez moi, et demain, matin, vous auriez trouvé un cadavre, ce qui d'ailleurs finira par arriver. Il parut saisir l'allusion et décrocha le téléphone. Je haïssais la province en toute sa totalité. À Paris, nous sommes tout de même plus vifs.
Enfin, il avait le commissariat et m'annonça, comme si j'étais de la famille, qu'ils arrivaient tout de suite. J'avais fait tout mon devoir. Mon rôle était terminé. Je n'ai plus qu'à monter, dis-je en tendant la main pour avoir ma clé qu'il avait reprise. Ce n'est pas la peine, ils arrivent. Je n'ai pas besoin de les voir. Mais eux voudront certainement, dit-il d'un ton menaçant. C'est vous qui l'avez trouvé. C'est vrai. Je m'assis. L'homme là-haut s'enfonçait. De mortelles minutes, littéralement s'écoulaient. Je commençais d'entendre la pendule du bureau jusque-là muette. Le patron s'était remis au journal local. Enfin, le fourgon stoppa. Des portières claquèrent, les brancardiers entrèrent, suivis d'un homme qui devait être un inspecteur. À sa vue, l'hôtelier se déploya. J'eus la surprise de constater qu'il pouvait se hâter. Il lui fallait pour cela la police. Il précéda son monde, soucieux à présent d'expédier le colis qui pouvait devenir encombrant d'une seconde à l'autre. Tant qu'il s'agissait de la mort des autres, pourquoi se presser? Mais son confort, c'était sérieux. Et je vais en rester là. Plein de trucs à lire. Plein de trucs à lire. C'est un texte qui a beaucoup de sous-textes. Mais déjà, en fait, même en première lecture, je pense qu'on peut s'éclater. Moi, les sous-textes, on les comprend en relisant là ce que je suis en train de faire là, mais je les ai pas eus d'emblée. En première lecture, immédiatement, on a quand même une scène très incongrue. Pour le coup, assez cinématographique, ou ce qu'on veut, ou romanesque, en tout cas très propice au drame. Une jeune femme est dans une ville qu'elle ne connaît pas, et elle trouve un homme en train, qui tente de se suicider, et que va-t-il se passer? C'est quand même... On entre en plein climax, ou climax, en plein acmé. On est en haut de la tension. Et là, on se dit bien, qu'est-ce qu'il a... Voilà, elle n'avait rien à faire dans cet hôtel, c'est le hasard. Et c'est effectivement le hasard. Pour tout ce qu'on peut lire, c'est le hasard qui l'a amené là. On a évidemment toute cette comédie avec l'hôtelier, cette haine de la province, le contraste Paris-Province, l'hôtelier lent quand il ne s'agit de rien, qui se hâte quand il y a la police. Alors, autant pour montrer à la police qu'il se hâte que pour hâter la police. Et se débarrasser d'elle une fois qu'elle est arrivée. Et cela avec cette tension, donc cet homme qui est en haut et pour lequel la jeune femme s'inquiète. Mais on a aussi donc une scène de rencontre qui est affolante, extrêmement particulière, puisqu'il s'agit, on ne le sait pas encore, mais on va le comprendre, il s'agit en fait d'un coup de foudre. En tout cas, on va avoir donc tous les topoïs du coup de foudre, mais en tout cas d'une rencontre entre une vivante et un quasi-mort. Elle est debout, il est allongé. Elle le regarde, il ne voit plus rien. Donc tout contraste, et en plus, elle est cette rencontre, elle est répétée. On va avoir d'abord une image, qui est la vision, donc choquante, l'image incroyablement nette, restée fixée dans mon esprit. Tout en lui, ses dimensions, son visage était anormal. Donc on a une image qui va être frappante et choquante, qui est décrite, hein, et dont le choc va faire que la jeune femme revient dans la pièce et commence une rapide enquête, par le regard, voit les tubes et donc en déduit la tentative de suicide, l'empoisonnement. Maintenant la lecture amoureuse. Dans tout cet opoil, on va avoir cette image qui se grave, qui reste fixe exactement, c'est peut être lu comme une reprise du motif dans l'engravure, qui permet d'expliquer l'inamoramento, donc le coup de foudre au premier regard, l'amour au premier regard, que l'on trouve dans la poésie néoplatonicienne, dans la poésie pétrarchiste. Mais ça, on ne le comprend pas encore. Là, on est d'abord sous le choc, mais qui va mettre en branle cette jeune femme. D'autres éléments, donc comme ça à noter, on va avoir donc comme ça le focus et un ensemble qui est donc sinistre. Et ça va bien avec l'ensemble de la ville, l'hôtel miteux, l'imperméable miteux, la ville sous la pluie. Et ça, c'est très Christiane Rochefort. Ce n'était pourtant rien qu'un homme qui dormait. Je sais plus de quand c'est un homme qui dort. Je pense qu'il y a un jeu sur le titre. Avec les figures de restriction, tiré semi-quadratin, j'aurais dû passer depuis longtemps à rentrer chez moi, je ne passais pas après le tiré.
Ça, c'est vraiment les coupures. C'est très Christiane Rochefort. C'est-à-dire que dans ces moments de rupture, on va avoir souvent des commentaires, des moments acerbes ou des constats. On l'avait aussi vu dans l'Estance à Sophie, notamment au début, aussi pour parler d'amour, le moment où ça marche pas, ça s'enraye. Et le ça marche pas, ça s'enraye, ça peut être souvent, en fait, dans les commentaires acerbes, on va décrire la grosse machine, le système, par exemple le système familial, dans les plus enfants du siècle, et le commentaire très concret qui fait redescendre sur Terre, comme ça en rupture, et qui rappelle la présence de la narratrice ici. Même de la narratrice présente dans la situation d'énonciation qui constate qu'elle ne passait pas. Alors que on n'a pas toute la fiction de la remémoration, mais on comprend qu'on est dans une construction d'un analepse. Ça passe pas et ça va enrayer la machine alors qu'on se rappelle, tout était bien réglé. Et donc là, tout va commencer à se dérégler. Et avec donc une nouvelle lecture très syncopée. J'entendis enfin comme il fallait. Donc la première image laisse vraiment place à une deuxième. On passe des ronflements oraux, la main est froide. Et tout ça avec l'effet syncopé, il passe par les deux points des râles. Froide. Pas de réaction. Et ça va donner quelque chose comme l'impression d'un bilan. Même pas scientifique, mais ça a montré la hâte. Ce qui fait que la comédie ensuite, avec l'hôtelier, le gérant, le logeur, va être pénible, même à lire, parce que toute cette comédie, elle est fondée sur un rythme différent, et donc la hâte qui a précédé renforce l'inadéquation totale de ce logeur, et la dimension comique, bon, elle passe par son regard malveillant, la présentation qu'il avait déjà eue, c'est un type, en fait, vraiment, c'est un caractère. Le logeur malveillant. L'humour va recommencer avec sa notion de l'urgence était différente de la mienne, qui constate cette différence de rythme entre elle et lui. Comme, alors là où est l'ironie, c'est que en fait, c'est pour lui, c'est pas urgent. C'est pas que c'est une façon différente de comprendre l'urgence. Donc en fait, déplacer l'explication donne l'air d'un consensus pour appuyer en fait l'inadéquation ou l'égoïsme total de ce logeur. Mais c'est ça qui fait du sarcasme. D'avoir un faux consensus qui souligne son caractère, bon, on va dire, odieux. Et on a toujours des commentaires. Donc en fait, chez Rochefort, c'est souvent très drôle dans les dialogues et encore plus drôle dans les commentaires. Donc là, on a tout ce dialogue sur mais pourquoi la clé, etc. C'est-à-dire que l'enquête rapide, ultra accélérée, en toute hâte de Geneviève, permet de comprendre que cet homme qui dort n'est pas un homme qui dort, mais un homme qui meurt. Et le logeur, lui, fait une enquête, non pas pour savoir ce qui s'est passé sur cet homme-là, parce qu'en fait, ça, il le comprend très vite, et il le voit très vite, mais sur le fait que Geneviève l'ait découvert. Comment cela se fait-il? Pourquoi? Que se passe-t-il? Et en même temps, donc il va vérifier la clé, etc. Et là, on va avoir une enquête qui est plus longue, qui est plus détaillée, parce que cette longueur va étirer le temps. Voilà. Et donc ça, c'est la rencontre avec Renaud Sartin. Alors, on ne peut pas dire qu'il apparaît sous son meilleur jour. Et elle va le revoir, elle rencontrer véritablement ensuite. Alors, et pas cette enquête du logeur, elle va se poursuivre, la police se demande s'il n'y a pas une chance qu'ils se connaissent d'avant avec cet homme-là, alors que pas du tout. Et va même la soupçonner un petit temps de crime. Peut-être que c'est elle qui l'a tué, en fait, ou poussé au suicide. Ou peut-être ils ont une manigance. Alors ça nous rappelle, bon, mais ça explique pourquoi au XIXe siècle, Flora Tristan a écrit un texte sur la nécessité de bien accueillir les femmes étrangères en voyage, que j'ai pas encore lu, mais c'est pour bientôt. Et cela nous rappelle peut-être plus largement, hein, on est en 58, ça reste très compliqué pour une femme de voyager seule. Elle suscite la suspicion, est-ce qu'elle fait un adultère, est-ce qu'elle est en train de se prostituer? Elle ne peut pas simplement voyager en étant seule. C'est une chose qui ne passe pas. On y est? Et
Ça, c'est. Est-ce que c'est là une dénonciation de Rochefort? Non, je pense que c'est la connaissance d'un état de fait de société sexiste qui lui permet de mettre en place un ressort sexiste. Est-ce que là, on a une véritable dénonciation de ça? Je pense pas. Je pense pas. Là, c'est juste un ressort d'intrigue. Et les choses vont se poursuivre, ils vont se rencontrer ensuite à l'hôpital. C'est-à-dire, en fait, elle va rester, elle reste, et elle va aller le voir. Alors, hop, je saute un peu. Bon, alors, elle fait un peu le tour de ses propriétés, elle a une très belle maison. Je ne sais pas si elle y va. Elle mange très bien, enfin bon, voilà, c'est. Et elle arrive à l'hôpital parce qu'en fait, elle a un genre de scrupule, elle sait pas trop l'expliquer. L'hôpital était bien tenu. Au bureau, on ne savait pas qui était Monsieur Jean Renaud. Mais hier soir, il n'y avait eu qu'une seule entrée au pavillon B, j'y allais. Un Jean Renaud qui a tenté de se suicider hier, est-ce qu'il. Chut, coupa l'infirmière. Eh bien, il est sauvé, vivant et même bien vivant. Ça, c'est déjà ironique. Vous êtes une parente? Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Je voulais savoir, voir si. Ah, c'est vous! Il sera ravi, dit-elle en se levant. Venez. Mais je n'ai pas la moindre intention de lui rendre visite. Apparemment sûre du contraire, l'infirmière, sourde à mes dénégations, sans me laisser placer un mot, me précéder tout au long d'un interminable couloir, m'entraîner malgré moi dans un flot de paroles. Et je suivais, hébété, étourdi. Je suivais comme un mouton et comme lui, sans savoir où. Il vous attendait! Il veut voir celle à qui il doit la vie après sa mère, comme il dit. Ce qu'il peut être drôle, il vous est très reconnaissant. Maintenant, parce qu'au début, c'était une autre musique. Savez-vous quel réveil il nous a fait après des heures passées à travailler sur lui? Il a ouvert un œil et a dit « Merde !» Voilà la récompense. Qu'est-ce qu'on lui a passé? Mais depuis, il s'est repris, il a retrouvé sa tête. Il a juré que c'était bien fini, ce genre de sottise. D'ailleurs, il croyait seulement dormir. Enfin, il le dit maintenant. Pauvre garçon. Ce qu'il y a des femmes garces tout de même. Un homme si gai l'amenait à ça. Il est vrai que c'est une femme aussi qui l'en a tiré, comme il dit. Les femmes font tout dans ma vie, le meilleur et le pire. Il est crevant. Depuis qu'il ne souffre plus, c'est le cirque. Entrez. La voici, monsieur Sarti. Vous aviez raison, elle est venue. Je n'avais pas su m'échapper à temps. Il était dans un box adossé aux oreillers, trop grand pour le lit. À ma vue, il produisit un sourire épanoui, bien qu'ambigu. Voilà l'ange, dit-il. Comment allez-vous après toutes ces émotions? Lui aussi. Moi, ça va, ce serait plutôt vous. Moi, que voulez-vous? Je suis en bonne santé, soupira-t-il. Il fit dans l'air un grand geste résigné. Je me souvins d'avoir remarqué déjà comme ses mains étaient belles. Le visage, lui, était toujours laid. Mais quelle métamorphose y a porté les yeux! Petit, peu aimable, mais d'une intelligence si aiguë qu'on oubliait la laideur et qu'elle devenait expression. Je suis content que vous soyez jolie. Ça aurait pu être cet homme adipeux en bas, plein de pensées obscènes, ou le triste valet, ou pis encore un placier en machine à laver. Je l'aurais eu mauvaise. Sauvé pour sauver, j'aime mieux que ce soit vous. Vous ressemblez à une madone byzantine. Vous ferez mieux dans ma vie. Vous savez, dis-je pour soutenir le ton, je ne l'ai pas fait exprès. C'était une erreur. Je me suis trompé de porte et la clé a ouvert. Malencontreux concours de circonstances. Logique, dit-il, le jardinier disparaît à l'envers. Quoi? Dit la mort. Il me cherchait à la campagne, mais ce soir c'est en ville que j'opère. Si j'étais resté à Paris, je serais passé sous un autobus. C'est tout moi. Je monte une tragédie. Le vaudeville s'y introduit par effraction, avec de fausses clés. Les histoires de portes sont généralement réservées aux cocus. Mais moi, le ridicule est mon royaume, le désir mon fantôme. Le pantalon qui tombe dans la cathédrale au moment du couronnement de l'empereur, mon karma.
Dieu me l'a donnée. Il n'a pas voulu me la reprendre. Et pourtant, je la lui offrais au rabais. C'est une véritable affaire, c'était pour rien à enlever. Mais que son saint nom soit néanmoins béni. Il ne perdra rien pour attendre. Je finirai bien par mourir un jour. Allons, il faudra qu'il cède. Et puis ça continue, ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il est toujours horrible, mais d'un seul coup, elle le trouve beau. La main. Je ne l'avais pas remarqué. Elle l'a jamais dit. On voit la métamorphose qui fait passer de la laideur à ce qu'elle appelle expression. Avec les regards, donc petits, peu aimables, et toute l'ambivalence de cet homme. Et lui-même, on peut remarquer comment, dans le dialogue, dans cette espèce de monologue de Renaud Sarti, entrent comme ça les genres littéraires qui permettent de qualifier ce qui s'est passé. Ça aurait dû être une tragédie, ça devient votre ville. Donc il devrait y avoir un cocu, etc. Et là, en fait, se met en place la scène de ménage. Par la métatextualité, mythologique, etc., mais aussi comique, sur un rythme d'opérette, finalement. Et avec une espèce de rigolade sur les motifs, clés, portes, etc., qui vont revenir ensuite dans le roman. Et là, bon, bah, tout ce qu'on a, cette espèce de logorée, mais en fait, avant l'arrivée à Renaud Sarti, qu'est-ce qu'on a? On a une infirmière qui raconte, donc ça, ça permet en fait de faire en sorte que ce ne soit pas lui qui raconte, mais on est préparé au choc de cette rencontre. Et on peut voir que il a mauvais caractère, il dit merde en se réveillant, et en fait il le fera tout le temps, il commencera tous ses réveils par merde, ou presque, dans la suite du roman. Mais on comprend aussi déjà, et très vite, que l'infirmière est sous le charme de cet homme laid, trop grand, démesuré, mais beau parleur. Et ça, ça va beaucoup marcher. Après, ça va devenir encore un peu plus compliqué. Donc, il y a le moment très intéressant où Geneviève comprend qu'elle est amoureuse. Je vais essayer de le dire. Voilà. Et ça, ça va être vraiment un nœud pour beaucoup de choses, comme celle. Donc, en fait, là, on a déjà deux rencontres. Parce qu'en fait, elle a l'accompagné après la sortie de l'hôpital. En fait, elle commence à rester dans la ville. Et elle veut faire des choses pour lui. Elle veut être charitable, mais elle ne sait pas comment faire. Et en même temps, elle ne sait pas pourquoi non plus elle veut être charitable avec lui. Mais elle a compris qu'il n'a rien dans la vie. Midi sonnait quand nous passâmes devant l'église. Midi, comme on avait eu 11h51. Il fallait que je déjeune. Après tout, je pouvais l'inviter. J'étais fatiguée de manger seule. Donc là, on a toutes les auto-justifications pour faire ce qu'elle a envie de faire, en se persuadant que, comme on dit plus tôt, ses intentions sont pures. Il ne fallait pas pousser la mesquinerie trop loin, et puisque, de toute façon, j'allais lui donner. Avez-vous faim? Non, dit-il. Vous pouvez tout de même déjeuner. Je vous invite au chapon vert, spécialité du pays. Je suis au régime, mais pas à la diète. Il faut que vous avaliez quelque chose, sinon vous ne tiendrez pas le coup. Bon, dit-il. Il ne mendiait pas. Il consentait à recevoir, à la rigueur. Le patron me reconnut, constata que j'avais amené un client, se mit en frais. Le maître d'hôtel se montra satisfait de ma commande quant à celle de Renaud. Un yaourt, dit-il. Pour commencer, monsieur. Oui. Et des nouilles. Mais nous n'avons pas ça, monsieur. J'intervins. Monsieur est au régime. Ah bon ? Dit le maître d'hôtel rassuré. Mais quel dommage au régime ici ! Nous avons bien du riz avec la poularde. Donnez le riz sans la poularde. Et une aile de poulet froid. Et un yaourt, dit Renaud. Un autre yaourt ? Oui. Et comme boisson, et viande Vichy ? Blanc sec, dit Renaud. Oh, dis-je. Ça va, dit-il. Je voudrais bien voir cette ordonnance, dis-je. Ah, dit Renaud. Cela vous intéresse? Les yeux mi-clos me fixent. Intéresse veut dire intéresse. Pour comprendre cet homme, il suffit en somme d'un dictionnaire. Il me demande si son ordonnance m'intéresse. J'ai le sentiment d'avoir parlé gratuitement toute ma vie et d'entendre pour la première fois parler pour de bon, si son ordonnance m'intéresse. L'œil rusé me rappelait que
de la petite âme encore présente, j'étais responsable. Que de cette charge, pourtant il m'avait fièrement délié. Vous pouvez toujours la foutre en l'air, elle ne vous demande rien, c'est une citation entre guillemets. Que j'étais libre. Libre de m'intéresser. Ou pas. Son pot de yaourt en main, la cuillère en l'air, il attendait ma réponse, ma libre réponse. Hélas. Je n'étais plus libre. Mon cœur battait. Ma gorge était nouée. Incapable de soutenir son regard, je ne pouvais détacher le mien des longues mains qui tenaient, avec une désinvolture attentive, les objets prosaïques. Je n'avais jamais rien vu de si vivant, même les bêtes. Le sang me vint au visage. Ses mains, je voulais qu'elles me touchent. Je suis folle. Mon corps subit une intense métamorphose. Je vais me réveiller, chenille ou baleine blanche. Je vais crier, pleurer, ou japper, ou braire. Je l'aime. J'aime cet homme. Depuis le début. Il est là, en face. Il sourit. La cuillère suspendue comme la baguette d'un chef d'orchestre pendant la pause, attendant le déferlement des cuivres. Il voit tout. Il connaît la partition. La cuillère imperceptiblement se soulève. Et moi? Faites-la voir, cette ordonnance. Je ressens une délivrance d'accoucher. C'est fait. J'ai avoué. Il sait. D'ailleurs, il a toujours su. Il a joué depuis le commencement. Mon ventre me fait mal. Une bête chaude y habite depuis une minute et déjà prend toute la place. Ce monstre se dilate. Et c'est moi. Le moi qui, toute ma vie, a nié le coup de foudre. Le coup de foudre vient de le tuer. Au nouveau moi, né à l'instant sous ses yeux, Renaud, inexpressif, remet l'ordonnance et ses mains touchent les miennes. Est-ce à dessein? La bête gémit. Le papier tremble entre mes doigts. D'indéchiffrables signes y dansent. Je n'y comprends rien. Je ne sais évidemment plus lire. Je lui rends le grimoire et, prêt de reprendre mon bec-fig au point où je l'ai laissé, je constate que l'appétit m'a quitté. J'avais une faim de loup l'instant d'avant. L'autre avait faim. En celle que je suis, la faim s'est distribuée autrement. Renaud mange paisiblement son yaourt, me laissant à mes métamorphoses. Le front étroit, le nez grand, la bouche épaisse et rude, le menton galochard, le visage plus qu'asymétrique et un assemblage de défauts dont le puzzle constitue une laideur à vous dégoûter de la beauté. Et quand les paupières se lèvent sur ce paysage chaotique, les yeux petits jettent le soleil de l'intelligence, de la vie. Ce visage est un piège. On observe sans méfiance ses bizarreries. Puis les yeux s'ouvrent. On est pris. J'ai repoussé ma gélinote. Il le constate d'un coup d'œil et ne commente pas. Magnanime, il me donne le temps de m'établir dans ma nouvelle peau et d'ordonner mon nouveau monde. Tout me devient clair, en effet. Pourquoi j'ai passé sous une échelle? Pourquoi j'ai choisi l'hôtel de la paix? Pourquoi je me suis hâté d'y revenir à 6 heures? Pourquoi je me suis trompé de porte? Et pourquoi la clé a ouvert? Parce que j'aimais Renaud Sarti. Une fois posée la ligne de force de l'amour, on voit que le monde est gouverné par la magie et non par la raison. Et on a beau aller à Ispahan, il vous rattrape par le col et vous remet sur la bonne route. Tout convergeait vers Renaud, c'était net. J'étais baleine blanche et complètement folle, près d'éclater dans ma peau. Il me restait en fait de lucidité, celle d'observer la débâcle. Ça, c'est vraiment l'épigraphe du roman, en fait. Comment allais-je venir à bout de ma poularde? Son fumet violant mes narines me levait le cœur. Mon cœur n'était plus pour les poulardes. J'enviais l'aile insipide et froide qui reposait dans l'assiette de Renaud. Il la dévora. Durant que j'émiettais, pour donner le change, ma volaille veloutée aux horizons de mon assiette. Je repoussais les fromages avec dégoût et renonçais au flan à la gelée. Je déçus le maître d'hôtel, mais il dut comprendre. La vue de Renaud suffisait à tout éclaircir. L'hôtelier, par exemple, ne s'était pas trompé. C'est pour ma petite cliente.
Et oui, c'était pour elle. Que je dusse aimer cet homme, se voyait comme le nez au milieu de la figure, de toute éternité. Ce déjeuner n'avait pas été bavard. On ne peut tout faire à la fois. Je n'aurai pas de peine à me souvenir plus tard de notre conversation. Je voudrais bien voir cette ordonnance. Ah, cela vous intéresse? Faites-la voir, cette ordonnance. Vous prendrez des cafés? Dit le maître d'hôtel désenchanté. Oui, vous aussi, Renaud. Deux cafés bien forts. Liqueur? Un cognac, dit Renaud. Deux, dis-je. Ainsi donc, dit Renaud. Vous ne l'avez pas lu, cette ordonnance. Et le paragraphe aussi. Bon, ça continue. On va déjà commenter un peu ça et après on va parler de l'amour dans ce roman. Alors, bon, ça c'est terriblement cinématographique et en même temps ça l'est pas du tout. Donc il me tarde de voir le film parce que là, ça, bon, ben, ça se passe tout en gros plan, en extrême attention. Mais bon, la métamorphose elle est évidemment intérieure, elle est dite de façon presque fantastique, avec cette petite bête dedans. Ça, c'est pas quelque chose qui va tellement revenir dans le reste du roman. Une fois qu'elle s'est installée, finalement, une fois que cet amour est mis en place et découvert, et qu'il a réordonnancé le monde, non pas exactement le monde de Geneviève, mais le monde de Geneviève autour de Renaud Sardi. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est une espèce de dissociation qui, finalement, on rappelle bien la dissociation de la Nalepse, hein. Donc de ce retour en arrière du roman, entre la Geneviève Leteil, étudiante en droit, je crois, en psychologie. Oui, en psychologie, oui, parce que c'est d'autant plus ironique qu'elle soit en psychologie. Et ça justifie aussi cette espèce de regard très lucide, permanent, analytique, qu'elle a sur elle-même. Enfin, moi, je ne suis pas fait du psycho, mais je veux dire, ça fonctionne bien d'un point de vue romanesque, du point de vue du roman. Et la Geneviève amoureuse, qui en fait à ce niveau-là n'est même pas humaine, elle est une bête. Oh, ça c'est très proche de ce qu'on a dans Voyage autour de ma chambre de Xavier Demestre, hein, avec ce combat entre l'homme et la bête. Hein. On avait parlé avec Romain Riquez. Et on a cette espèce de scène qui est extrêmement dilatée alors que le dialogue est très court, mais bon, il faut dire aussi qu'il mange, sur le... J'ai les mains sèches. Je m'en rends compte, pour une fois j'y pense, je mets de la crème. Mais un dialogue extrêmement court autour de cette ordonnance et de ce qui devrait être une taquinerie qui se retourne contre Geneviève. Ça, en fait, il y a à peu près tout le roman là-dedans. Et dans les trois passages que j'ai lus, il y a à peu près tout le roman. Donc là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le spoil et pas forcément beaucoup relire. En quoi il y a tout le roman? Parce qu'en fait, on va... Bon, mais Renaud, il est charmant, il est fantasque, mais il est aussi, on le voit, un blanc sec, un cognac alcoolique. Il va quand même entraîner Geneviève sur une pente. Je n'ai pas envie de dire une mauvaise pente, j'ai pas envie de juger de jugement de valeur, mais bon, bah, une pente qui ne va pas dans le sens de ses intérêts bourgeois, et en tout cas des intérêts de la Geneviève d'avant. Ça, on le voit avec les rappels des biens hein, qui vont permettre de mesurer la progression du temps, notamment parce qu'ils vont disparaître. Et on le voit au fait qu'elle prend elle aussi un cognac. Elle. Demande d'abord des cafés et il ajoute, lui, le cognac. Alors qu'elle a déjà bu du blanc. Elle ne buvait pas. Ou peu. Mais comme souvent les femmes dans les années 50. Alors c'est pas souvent les femmes, c'est pas vrai, mais dire que l'alcool et l'alcoolisme sont des. vont avoir un poids social plus fort pour les femmes que pour les hommes. Donc, Renaud est profondément alcoolique et là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est le retournement. Elle vous intéresse cette ordonnance? Qui la force à se dévoiler sur quelque chose qu'il a donc compris. Il a senti une dynamique qui se mettait en place. D'ailleurs, cette dynamique, elle va être même explicitée, dénoncée par Renaud lui-même à la fin. Ce qu'on va avoir, c'est une espèce d'amour total et fou de Geneviève pour Renaud. Un amour total qui est donc, on le comprend là quand on relit, cet amour
qui peut se rapprocher exactement. Je ne vais pas dire que c'est cet amour parce que ça, c'est ça qui fait du bruit. C'est pas élégant. Pour un enfant. Qui va être un amour absolument inconditionnel parce qu'elle va prendre soin de Renaud, tout encaisser, et elle va beaucoup encaisser. Et j'allais dire tout liquider pour lui. C'est pas qu'elle liquide, c'est qu'elle répond à tous ses désirs. Et essaie même de les devancer au maximum. Et donc là, il va y avoir une très grande pente du roman. La plus grande partie du roman va montrer comment, à partir de ses bases, hein, qui sont plutôt malsaines, en tout cas qui rendent pas forcément les gens heureux, c'est-à-dire elle aimant totalement et lui, on sait pas, pendant longtemps, et elle qui va toujours devancer ses désirs à lui, qui n'a donc rien, mais moi il me rappelle, peut-être pas exactement Alexandre le Bienheureux, mais enfin vraiment ces films des années 70, quoi, le type qui sont là, et tout se passe pour eux, quoi, en fait j'en ai rencontré des types comme Renaud, et je crois même que j'en ai aimé, hein. Mais pour le coup, il m'a mis un râteau, donc j'ai économisé plein de choses. C'était très bien, c'était une très bonne idée, merci beaucoup. Et je dis pas hein, que ça se serait passé comme ça, mais vraiment, j'ai une sensation de proximité assez énorme, pas seulement avec des films, quoi, vraiment aussi avec des types de personnes, et en particulier d'hommes. Mais on fait moins souvent les choses pour les femmes que pour les hommes, mais il y a des femmes hein, qui ont fait, enfin, pour lesquelles on fait beaucoup de choses. Oui, il y en a. Là, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête dans mon entourage. Et donc, son dévouement à elle va être absolu et l'amener à vraiment briser ses propres valeurs morales initiales qui, en même temps, sont qualifiées de valeurs bourgeoises et qui sont très clairement des valeurs bourgeoises qu'elle va reléguer. Ce qui va déjà poser, en fait, un premier questionnement moral parce que l'amour en question qui est présenté tout au long de ce roman, il peut être présenté comme un amour très beau et très romanesque, mais c'est un amour qui va faire qu'elle le cherche dans les bars quand lui-même n'arrive plus à rentrer chez lui. Enfin, donc chez elle, en fait. Parce qu'il finit par s'installer chez elle. Qui va être capable de l'humilier publiquement. Il y a des scènes de sexe qui sont pas décrites comme des scènes de viol, mais qui peuvent quand même pas mal s'en rapprocher. Mais c'est plus compliqué. Alors ça, le viol chez Rochefort, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que juste c'est du viol, c'est pas du viol, quoi. Parce qu'on dirait que les personnages chez Rochefort, ils aiment être violés, et on peut l'analyser comme une répétition de traumatophilie, donc de répétition du trauma. Mais elle a des personnages qui n'ont jamais l'air d'être des victimes. Et c'est un peu ça dont ça parle aussi. C'est-à-dire que là, sur tout ça, Renaud qui inverse, Renaud qui a toujours le dernier mot, Renaud qui peut humilier, Renaud qui peut frapper... Et donc, bon, la question du viol, je vais la laisser en suspens, mais voilà, exercer toutes ces violences, on peut se dire, ben, c'est un amour fou pour un pervers narcissique, et en plus, elle en a conscience. Je déteste hein, le vocable de pervers narcissique, mais c'est pour donner cette première lecture qui est possible. Et on pourrait l'imaginer, même sous forme d'un témoignage autobiographique à la première personne, 10 ans d'amour avec un pervers narcissique, il y en a plein des bouquins comme ça, hein. Et on va avoir en général une lente dégradation jusqu'au moment où, boum, elle quitte. Et ça collerait avec le début. Donc on peut s'attendre à ce roman-là. Et ce roman-là, il a lieu pendant un temps, et il est assez glaçant. Et on voit aussi, alors, ce qui parle vraiment, en fait, de l'emprise, je crois, et en fait, il y a plusieurs degrés dans l'emprise, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, tous les commentaires de Geneviève, comme ce que j'ai déjà commenté, donc Geneviève la narratrice, permettent de voir qu'elle est parfaitement lucide sur la situation de dévouement absolu, et en même temps, sur le détachement que cela va lui amener par rapport à elle-même. En fait, je m'en fous. En fait, je vais montrer mes seins dans un bar, on est en 58, hein, mais en vrai, je m'en fous. Ça ne compte pas pour moi. Et en fait, Renaud me maltraite, mais c'est pas grave, parce que moi, je l'aime. Mais c'est fait avec une ironie qui donne l'impression d'une force du personnage dans ce détachement. Alors on peut avoir une emprise qui est complètement inconsciente, mais moi je pense que le plus souvent, quand on est sous emprise, on pressent quand même beaucoup
Mais c'est l'iceberg, on ne voit pas forcément le schéma en entier, etc. Ça, c'est vraiment la première lecture, avec ce questionnement possible, à quel point elle est dans le dévouement, à quel point elle est dans l'emprise. Voilà, si on le fait avec donc dévouement ou amour. Vraiment la première lecture, qui est déjà intéressante, mais le roman continue. Et c'est là où le roman continue, parce qu'il explicite ce qui est déjà là, avant, à savoir que finalement, Geneviève, elle est aussi, ou peut-être qu'elle est plus que sous l'emprise de Renaud, sous l'emprise de cette idée qu'elle est amoureuse de Renaud, et qu'étant amoureuse et connaissant le coup de foudre, elle va aller jusqu'au bout de cet amour. Et globalement, avaler toutes les couleuvres, etc. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que là, on peut se dire, bah, elle va être de plus en plus victime, ça va finir en féminicide, et le féminicide, sans s'appeler féminicide évidemment, peut être craint dans le roman. Surtout que Geneviève est de santé fragile. Et on se rappelle, elle craint de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais ce faisant, en fait, Geneviève, elle ne fait pas qu'encaisser. C'est là où c'est très très intéressant. Parce que Geneviève, à un moment, va devenir jalouse d'une autre femme. Je vais pas donner les détails, parce que les détails sont vraiment chouettes. Elle, et devenant jalouse, elle cherche les moyens de séparer Renaud de cette autre femme. Elle va aussi devancer les désirs de Renaud pour garder Renaud. Et pas parce que... Parce que c'est elle, au départ, qui devance ses désirs. Et qui lui offre cet amour absolument total et absolu. Et lui-même dit qu'il y a en lui deux Renauds, un Renaud qui aime Geneviève et un Renaud qui la hait. Et là, il répond, donc il y aura un troisième Renaud, hein, que finalement, peut-être qu'il hait le Renaud qui aime Geneviève. Donc, on n'est pas évidemment. Enfin, ce qui est vraiment passionnant, c'est la complexité de ces personnages et des questions morales que ça pose. Et du fait que ces questions morales, éthiques, etc., ben, on ne peut pas les trancher. Enfin, c'est. Alors, juridiquement, on peut le faire, mais là, nous, on est des lecteurs, on est des critiques littéraires, on n'est pas là pour trancher ça juridiquement. Mais c'est intéressant de rappeler ce que peut dire la justice en appelant tel acte par sa désignation juridique. Et on a aussi d'autres désignations qui peuvent désigner des crimes qui. Ou, enfin, donc, pour le coup, pas des crimes, mais des violences qui ne sont pas reconnues comme telles par la justice. Ça, c'est intéressant aussi. C'est encore d'autres lectures. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est de les multiplier, ces lectures, pour sentir cette complexité. Et donc, Geneviève, finalement, elle peut être sous l'emprise de son amour, mais elle va commencer à être aussi assez contrôlante par rapport à Renaud. Et Renaud va aussi de plus en plus mal. Alors, est-ce que c'est finalement parce qu'en fait, Geneviève, elle offre cet amour en se disant que cet amour va être payé de retour? Mais on peut aussi le voir comme une forme de chantage, et ça devient une forme de chantage et d'enfermement de Renaud. Que de lui donner toutes ces choses. Et c'est le cas. Alors, et en même temps, ça coûte une fortune à Geneviève. Hein. Non, c'est vraiment un roman très intéressant pour ça. Et là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, et là je spoil vraiment la fin que je viens de dire, c'est que Geneviève tombe enceinte et ne le dit pas à Renaud. Et Geneviève voulait tomber enceinte. Donc on se rappelle, il était annoncé en début de roman que. Mais en fait, elle est enceinte et elle parle de sa grossesse avant de finalement annoncer cette grossesse au lecteur et de son médecin qui lui-même va l'annoncer à Renaud. Donc, avec une espèce de légèreté, c'est très Rochefort ça. Où les choses, les très graves, elles apparaissent comme si on était en conversation. Et moi, je trouve que littéralement, c'est ultra intéressant d'écrire comme ça. Mais c'est dur. Je sais, c'est dur. Et donc là, finalement, et elle sait que Renaud ne voudrait pas d'enfant, mais ça n'a même pas l'air d'avoir été discuté. Et elle, à un moment, aurait voulu épouser Renaud ou que Renaud l'épouse. Mais elle ne le veut plus une fois que c'est pour un enfant, parce qu'elle a voulu une preuve d'amour. Mais en fait, sur un nouveau conflit avec Renaud, elle craint sa violence. Et là, elle est prête à partir. Et lui, en fait, c'est le moment où il ne peut plus partir. Pas uniquement à cause de la grossesse en cours. C'est qu'en fait, il y a eu une espèce de combat tout au long du roman. Entre
son amour à elle et chez lui entre son amour et sa haine d'elle. Et notamment le fait que ce soit une bourgeoise avec des habitudes de petite bourgeoise qu'il brise. Et en fait, ça veut dire qu'il la brise psychologiquement. Mais elle a en même temps pas l'air d'en être fâchée. Et elle vit une vie assez incroyable pendant tout ce temps-là. Avec un type qui concrètement est un parasite. Qui est littéralement un parasite, qui ne fait jamais rien. Et avec toujours, ça c'est très Rochefort, les mentions des détails concrets. Il crache par terre, elle dit c'est pour moi la serpillière. Ouais, sur deux choses. Toujours, toujours, toujours. Très, très Rochefort. Et ça conduit littérairement à à un récit qui est très très vivant. Voilà. Et donc cette annonce de grossesse, finalement elle gagne, parce qu'elle a son enfant, et Renaud est comme vaincu, et veut l'épouser pour que ce soit elle qui décide de sa vie à lui. Et en fait, il rejoue, cette fois sur le mode tragique, la scène de Vaudeville racontée par l'infirmière, qui disait à Geneviève que cette femme-là, qui a sauvé Renaud, est un peu comme sa mère puisqu'elle lui a donné la vie. On y est. C'est tordu, c'est vraiment tordu. Donc tous les petits détails, en fait, on a l'impression de lire des conversations, tous les détails sont riches sur tout ça. Et ça, c'est extrêmement tenu au niveau de la complexité du roman. Et derrière, il y a cette espèce de plongée avec Geneviève qui essaie de comprendre Renaud, les longs monologues de Renaud où on ne sait jamais dans quelle mesure c'est du spectacle ou vraiment Renaud, mais parce qu'en fait Renaud est le spectacle qu'il donne de lui-même. Et ce spectacle, il le dégrade de plus en plus. C'est vraiment le spectacle d'un homme qui est malade et qui est de plus en plus physiquement malade. Et on va noter que Geneviève, à la fin, peut avoir un bébé. Alors que c'était quelque chose qui s'était présenté comme peu sûr, voire impossible, au début du roman. Quand même mieux, en fait, au bout de tout ça. Et c'est là, on voit que c'est un roman qui a quelque chose de profondément pervers en lui-même. On peut pas dire de ça, c'est... Moi, j'arrive pas à dire Le Repos du Guerrier, c'est un roman féministe ou pas. Par contre, j'y trouve plein de procédés féministes. Mais c'est beaucoup plus compliqué que féministe ou pas, dans ce cas-là. Rochefort était féministe, ça c'est certain, mais le roman. Là, on va buter. Ah, et puis à noter, Le Repos du Guerrier, c'est aussi une expression de Renaud pour désigner Geneviève. Et donc les relations sexuelles. Donc Le Repos du Guerrier, en fait, désigne la narratrice héroïne, celle qui va revenir et qui rejoue, ça c'est vraiment explicite dans le roman, le mythe d'Orphée et d'Eurydice, mais à l'envers. Et finalement, c'est bien elle. C'est bien Eurydice, dans ce cas-là. On se rappelle la statue de sel, mentionnée au début, qui prend le rôle d'Orphée en coupant la tête ou ce qu'on veut symboliquement à Renaud, parce qu'on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une castration, d'une autocastration de Renaud à la fin. Et Eurydice se fait la chanteuse d'elle-même, la poétesse ou la aide, mais sans en avoir l'air. Elle est le repos du guerrier. Donc, encore un coup tordu. Qu'est-ce que j'aime Rochefort. Bon, c'était quelques idées là comme ça en vrac sur ce qui vient. Je n'ai pas encore lu le... C'est bizarre l'écriture parce qu'il est en Printemps au Parking, je pensais qu'il était dans celui-là. Et je n'ai pas encore lu Printemps au Parking. Et tout est... Voilà, tout est tordu là-dedans. Et c'est vraiment passionnant à lire. C'est en même temps quelque chose qui est extrêmement prenant. Et ses ambivalences morales... Je trouve qu'elle rappelle la profondeur qui souvent nous manque. Comme étudier les féministes du 19e siècle me rappelle la complexité de ces questions. Parce que je ne veux pas faire d'anachronisme pour les comprendre. Je ne peux pas rabattre le féminisme actuel ou le féminisme d'il y a 15 ans ou d'il y a 50 ans sur elles. Il faut comprendre ce qui leur est spécifique. Et là, la littérature, elle en sait quelque chose, pour reprendre Barthes. Et je vous dis à bientôt.